Bonsoir à tous et à toutes, et bienvenue à tous dans Keep Out. Yeah. Ok, juste Keep Out, tout simplement. C'est un jeu que j'ai trouvé sur itch.io. Vous savez, le petit site sur lequel il y a énormément de petites choses sympathiques. Et il m'a tapé dans l'œil, figurez-vous, car il avait l'air plutôt sympathique en termes de visuel. Mais c'est une démo. Et on va voir du coup de quoi ça s'agit. Donc on va jouer un petit roi, un petit monsieur. Il est tout petit. Comme vous pouvez le voir, il est minuscule. Il a été capturé par un individu de type oiseau. J'appuie sur espace, il se passe pas grand chose. Ok, bon ben... on verra. Hé, l'oiseau là! Dégage! Ah! Ok, c'est peut-être pas le bon endroit où aller. On va peut-être partir ailleurs si j'y suis. Si je vais de l'autre côté, probablement que je vais trouver quelque chose. Et ce sera la fin de... la fin de ma vie! Ah ben, je suis mort. Genre littéralement. C'est comme ça en fait. C'est comme ça que ça se passe. Ok. Let's go! On va partir dans l'autre sens! Hé, l'oiseau, laisse-moi passer! L'oiseau? Putain, t'es bien fait en vrai. Oh, ouh. Oh! Je fais comment pour passer? Je veux passer, l'oiseau! Non! Il va m'avoir, hein. Il va m'avoir. Je vois pas pourquoi je peux faire. Il me dit PS bar, mais j'appuie sur PS bar et il se passe rien. Est-ce que je peux prendre un truc, genre un truc qui brille? Je peux prendre le truc qui brille! Hey hey! Alors, avec ce truc qui brille, on va voir en fait s'il va essayer de m'attraper. Vas-y, 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 prends-le, prends-le! Fuis! Fuis, Billy! Fuis, Billy! Et ne regarde jamais en arrière! Wouhou! Yeah! Oh! J'ai cru que j'étais mort encore une fois. N'empêche, je sais pas vous ce que vous en pensez à l'heure actuelle, tout de suite en regardant ce gameplay. Mais on est d'accord que c'est quand même assez joli. Genre, en termes de... là, en fait, en termes de réalisme, le carton, par exemple, il a une vraie texture de carton, quoi. C'est dingue. Je suis choqué. C'est trop bien. C'est trop cute. Mais effectivement, c'est trop cute. Si vous aussi voulez voir, en fait, ce genre de vidéo en enregistrement, parfois, je le fais. Hein, pas tout le temps, mais parfois, je le fais. Rendez-vous sur twitch.tv/seros, car je suis en live actuellement, au moment où je poste cette vidéo. Ouais, je suis comme ça. Let's go. Alors, je peux prendre... et je peux le faire rouler en arrière. Mais il a une petite moustache aussi, le petit bonhomme, c'est trop rigolo. Il a une petite moustache. Vous savez, ce jeu me fait vachement penser à tout ce qui est Limbo. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre qui ressemble dans le même style? Il y avait Limbo. Tu avais Inside. Tu avais Little Nightmare, du coup. Au passage, Little Nightmare qui arrive dans très peu de temps. Je ne sais pas quand il va arriver, mais il arrive dans très peu de temps, on va regarder ça. Et c'était un bras de super-héros là-bas. Et mon dieu, attendez, regardez au fond. Si vous voyez bien, au fond, il y a une sorte de madame qui me regarde. Elle a une tête un peu bizarre. Allez, petite toile d'araignée, tombe. Haha. Viens ici, toi. J'ai maintenant un bras. Et on va voir de quel bois on se chauffe avec ce bras. Oh, c'est quoi ça? Eh oh. Ok, je ne sais pas ce que c'était, mais... on va avancer. Je sais pas où je... qu'est-ce que je peux faire avec ce bras? Qu'est-ce que je peux faire avec ce bras? Hop. Peut-être que je peux le mettre ailleurs. Je vais même pas voir t'y voir ici, tu vois. Ah, je peux utiliser le bras pour taper dans le mur. Oh, attends, tu es en train de me dire que ce bras a vraiment un pouvoir? Mais je voulais tellement ces jeux-là quand j'étais petit, moi. Vous êtes sérieux? T'imagines quand même? Quand t'es petit, t'as un jeu, tu peux vraiment faire des trous dans les murs. Ce serait énorme. Regardez, il y a des gens qui... des gens qui sont enfermés là-bas. C'est un peu creepy ou pas en fait. Ok, ça c'était totalement inattendu. J'ai peut-être légèrement eu peur. Mais il va revenir. Je fais comment? J'avance pas. Je crois que j'ai eu peur. Donc on va aller de l'autre sens. On va aller regarder ailleurs si j'y suis. Ah, j'ai pas assumé là. Est-ce que je peux prendre ce petit bonhomme que j'avais vu tout à l'heure? Non, il est juste dans son... il tourne le dos en fait, il fait rien. On va aller dans l'autre sens, on va aller voir ailleurs si j'y suis. Oh, qu'est-ce que j'ai raté du coup? Genre, c'est le moment où j'étais super confiant et je m'attendais pas qu'il y avait des screamers dans le jeu, tu vois.
Je pensais vraiment faire un petit mercredi découverte sur un jeu tranquille. Mais on me dit rien, moi. Non. Putain, je suis trop con. Je le sais en plus. Je le sais. Je sais. Mais je le sais trop en plus. Mais je sais comment ça marche maintenant, les gens, regardez. Regardez, là il va se surgir, il me voit. Là il me voit pas. C'est comme ça qu'on fait. C'est comme ça qu'on fait. C'est quand, en fait, quand tu vois son œil, tu avances pas. C'est quand... Oh, là, j'ai eu peur deux fois, c'est sérieux quoi. Sauf que en vrai j'ai pas fait ce qu'il fallait là. Je suis allé ici mais c'est pas là du tout qu'il faut aller, tu vois. Alors il faut aller dans le sens. Mais j'assume tellement pas là. J'assume tellement pas. C'est bon. On est passé. Mais tu sais, je sais pas trop si c'est bon ou pas en vrai. Eh, c'est de l'abus total hein. C'est de l'abus total. Je suis pas d'accord, ok. Allez, ok. Bon, let's go. On va sauter. Et hop, hop. On va monter ici. Et hop, et on saute de l'autre côté. Voilà, tu vois, c'est-à-dire facile. J'ai fait ça toute ma vie. Je suis un professionnel de la grimpette dans les jeux. Je m'attendais pas à ce que ce jeu soit aussi creepy. C'est quand même dingue. Donc, gardez en tête, ce jeu s'appelle Keep Out. Si vous voulez tester la démo par vous-même, le lien est dans la description. Et ben voilà quoi. Par contre, je sais pas s'il faut une bonne config ou pas pour faire fonctionner, parce que je vous avouerai que j'ai pas une petite config, donc ouais, je me pète un petit peu, tu vois. J'ai pas. Oh, hey, oh non, laissez-moi tranquille. Non, 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 laissez-moi tranquille. Il est parti. Ah, il a eu peur. Non, c'est bon, il a eu peur de moi, c'est bon. C'est bon, il a eu peur de moi en fait. En même temps, c'est vrai que tu vois un petit bonhomme qui marche vers toi d'un pas assez téméraire. Le jeu me fait peur avec des trucs normaux. De l'autre côté. Hey, essaie de m'attraper ici, le chien. Ok, je peux passer en vrai. Je peux passer en vrai. Je peux passer, il suffit juste de courir. Faut pas avoir peur, c'est Ross. Faut pas avoir peur. Faut juste courir. Oh bordel. Oh bordel. Ah ouais, d'accord. Il pardonne pas le jeu. Hey, il pardonne pas le jeu. Ok. Hey, pardonne pas. Hey, le toutou, tu vois, il a failli manger. Ok. Hey, je me sentais pas bien. Ah bah non. Ah non, ça va pas du tout là. Ça va pas du tout. Ah, moi je vous dis, ça passera pas comme ça. Ah, oui, c'est Toy Story en plus glauque, totalement. C'est l'abus total. Bref, en tout cas, belle petite découverte pour l'instant. Le jeu, il est très sympa niveau graphisme. Donc, quand il va sortir, au final, est-ce que vous souhaiterez voir un petit let's play sur le jeu? Dites-le moi dans les commentaires. On va passer par là, on va passer par l'autre côté du coup. Alors, il y a un truc avec les boules. Oh, ok. Je vais pousser cette boule ici. Et ensuite... ensuite, je pose cette boule là. Hop, et je pose cette boule là-bas. Allez, pousse la boule. Pousse la boule le plus loin que possible, Céros. Ok, voilà. Et maintenant, je vais ici. Je vais sauter par là. Hop. Et maintenant, je vais sauter ici. Je vais sauter de l'autre côté. Je vais pousser la boule. Je vais pas pousser la boule. Je vais monter tout en haut. Et je vais faire tomber l'autre boule de l'autre côté pour pouvoir faire tomber la planche du bon côté. Comme ça, je peux monter de ce côté-là, tu vois. C'est totalement prévu ce que je voulais faire. Exactement ce que je voulais. Attends. Attends. Wesh. Wesh. Le jeu, il a cru qu'il allait m'avoir. Attends, cette souris va me manger, les gens.
J'ai peur des souris maintenant. J'ai peur de tout. Tout ce qui est plus gros que moi est potentiellement dangereux. À partir de là, je me ferai pas avoir. Je me suis fait avoir par le singe. Je me suis fait avoir par le chien. Je me ferai pas avoir par une petite souris, ok? Ça se passera pas comme ça. Il est loin le jour où Seros, il va se faire avoir par une petite souris. Je vous le dis tout de suite. Ok. Vous savez quoi? Ça fait penser un petit peu aux vidéos où quand quelqu'un fait rouler une boule un petit peu partout et ça s'enchaîne au fur et à mesure, tu vois. Ça me fait penser un petit peu à ça. C'est rigolo. Alors. Alors. Est-ce que je peux... Mais est-ce que... Ah ah. Ok. Et là, je fais ça. Non, je peux pas. Hop. Si je fais ça... Je soulève légèrement, tu vois. Mais est-ce que ça suffit pour faire quelque chose? Est-ce que je peux prendre le livre, par exemple? Non. Alors, pourquoi je peux faire ça? Oh, j'ai un gros problème, là, par contre. Je ne peux plus revenir en arrière. Ah si, je peux maintenant. Je sais pas, j'arrivais pas à revenir en arrière tout à l'heure. Alors, je vais revenir beaucoup plus en arrière du coup, parce que pour l'instant, je ne comprends pas exactement ce qui se passe. Je vois qu'il y a un chemin en haut. Peut-être qu'il y a moyen de sauter là-haut, tu vois, avec un objet ou une connerie du genre. Je ne sais pas. Je reviens juste totalement en arrière pour voir si j'ai rien raté. Donc du coup, voilà, je suis arrivé par ici, je monte. Je ne peux rien prendre ici, je peux pas sauter là-bas. Je peux pas sauter ici. Ok. Bon. Je fais des bruits de personnages dans Minecraft, vous savez. Je fais des bruits de Minecraft. Comment? Alors, le seul truc que je peux faire, c'est de pousser ça comme ça, là. Et ici, je suis bloqué parce qu'il y a deux clous en plein milieu. Et quand je fais ça, je peux pas aller plus loin. Et ça soulève légèrement la planche, tu vois. Mais la question, c'est pourquoi? En quoi ça m'aide, tu vois? Parce que ici, j'ai effectivement une... Oh, mais... Je vais rien dire, les gens. Je vais rien dire. Ok. Ensuite, attends, c'est super chelou. Alors, je vais prendre ça encore. Et si je... Ah, je peux pas. Est-ce que je peux plus le repousser en hauteur, lui? Ah, je peux... Ah, j'ai pu sauter sur... D'accord. Ok, c'est bon. J'ai réussi. J'ai réussi. Ah ben voilà. Et maintenant que j'ai fait ça, je peux pousser cette boule et elle va tomber de l'autre côté. Hey, ça m'a pris un petit peu plus de temps que prévu, mais j'ai réussi. Donc, vous inquiétez pas. À qui c'est attendre? Je sais pas où je dois l'amener, en vrai, par contre. Hein. Est-ce que je dois vraiment l'emmener ici? Oui, je dois l'emmener ici. Je dois l'emmener ici. Ça me permettra de monter sur l'étagère supérieure, tu vois. Non, parce que c'est un peu dur de faire monter, tu vois, donc... Allez, let's go.
C'est recensure. Non, tout vient à point, exactement, Nevi. Tout vient à point, à qui s'attendre. Et pour le coup, c'est de longues minutes de réflexion de ma part sur un truc qui était probablement pas aussi... qui avait pas besoin d'autant de réflexion, mais bon. Eh. Eh, on n'est pas tous malins. Hein. Eh, ça se saurait, hein. Ça se saurait, sinon. Eh, sinon, j'aurais été un ingénieur en fusée, tu sais. Alors, c'est pas du tout le cas. Hein. Moi, je suis stupidou. Je suis stupidou. J'assume. J'assume ma stupidité. God damn it. Voilà. La stupidité d'El Cerroso. On n'assume pas, les gens. On n'assume pas. C'est horrible. Alors, je vois pas du tout du Fall Guys dans ce que tu me dis, là, par contre. Hein. Je pense que ce jeu fait plus penser à du Little Nightmare. Mais je vois pas pourquoi tu parles de Fall Guys. Oh mon dieu! En fait, vous savez, c'est dans le... Vous savez, la scène dans Toy Story 1, quand il y a plein de jouets qui sont méchants, les jouets de Sid. Quand... Ah ah, je suis désolé, mais c'était un peu effrayant. C'était un petit peu effrayant, en tout cas, cette dernière scène. Si vous avez apprécié cette vidéo, cette découverte en notre compagnie, moi et le chat, sur Keep Out, n'hésitez pas à le faire savoir dans les commentaires et en laissant le plus beau et magnifique pouce bleu. Du coup, on se retrouvera très certainement à la sortie de ce jeu, lorsqu'il sera disponible, je ne sais pas quand. Si vous avez apprécié ce jeu, je vous conseille d'aller regarder ce jeu qui apparaît juste ici, là. Genre sur le chat. Ouais, sur le chat, il cache le chat, là. Le jeu qui apparaît juste ici, ça pourrait vous plaire. Et quant à nous, les amis, on se retrouve donc dans une prochaine vidéo. C'est Ross, out.